à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. C'est un très grand plaisir pour moi de vous accueillir aujourd'hui sur ma chaîne YouTube, une chaîne qui est la vôtre. Donc pour vous récompenser de votre fidélité et aussi pour votre engouement pour cette chaîne, j'ai décidé de récompenser tout le monde. Donc j'ai décidé de faire un tirage inédit pour chaque signe du zodiaque pour 2018. Le tirage pour chaque signe pour 2018 va être divisé pour les 12 mois de l'année. Chaque mois, nous allons voir un aspect de votre vie ou un aspect que l'oracle veut souligner. Ces prédictions ou cette guidance sont là vraiment pour vous aider à avancer dans votre année 2018. Même si parfois les cartes peuvent paraître difficiles ou compliquées, sachez que la guidance que ces cartes vous apportent, c'est vraiment pour améliorer votre vie et apporter paix, sérénité et joie. Je vous invite maintenant à me rejoindre sur la table de voyance où nous allons faire votre tirage et vous expliquer ce que 2018 a en réserve pour vous. Bienvenue amis Bélier pour votre tirage du Petit Lenormand 2018. Donc, ce tirage a pour but de vous donner un aperçu de ce que 2018 a en réserve pour vous. Et pour cela, nous allons utiliser le petit Lenormand que je vais étaler sous la forme d'une horloge de 1 à 12. Et vous aurez 3 cartes pour chaque position. Et cela va représenter les 12 mois de l'année de 2018. C'est un tirage qui donne grosso modo les tendances, les grandes lignes. Ce n'est dans aucun cas un tirage personnalisé. Si vous voulez un tirage pour vous-même, il faudra aller sur mon site web ou sur ma boutique Etsy et commander un tirage annuel spécialement pour vous, pour votre situation. Donc, je dis encore, ce tirage est vraiment pour vous donner un aperçu. Et pour ce tirage, j'utilise mon classique Lenormand. Ce jeu va être bientôt édité par une maison américaine et elles seront accessibles à tout le monde dans toutes les librairies. Et vous pouvez aussi le précommander sur Amazon France ou Amazon.com. Alors, commençons votre tirage. Voilà, amis Bélier, votre tirage est étalé et c'est dans la forme d'une horloge où la première carte représente le chiffre 1 de l'horloge, ce sera le premier mois de l'année, deuxième mois, troisième mois, jusqu'à arriver en haut au chiffre 12 qui correspondra au mois de décembre 2018. Donc la première chose que je fais, c'est que je regarde l'ensemble des cartes pour voir l'énergie, pour voir la tendance de cette année et les mois qui seront plus ou moins difficiles et les mois qui seront plus ou moins bonnes. Alors, vos mois de challenge sera janvier, février, mai et aussi le mois de décembre. Donc, 4 mois qui vont être vraiment, je ne dirais pas difficiles, mais où vous aurez pas mal d'ordres à remettre, vous aurez pas mal de choses à mettre en place. Vous allez vous poser beaucoup de questions. Et les mois qui vont être vraiment positifs seront mars, septembre sera aussi un mois très agréable. Octobre pour les finances sera un mois aussi positif. Donc dans l'ensemble, cette année, elle est plus ou moins bonne.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que le thème de cette année pour vous, c'est vraiment, comment dire, vraiment faire un point sur les gens que vous fréquentez, sur les possibles amis ou amitiés ou relations que vous avez avec certaines personnes. Vous allez aussi vous rendre compte qu'il y a beaucoup de personnes qui s'utilisent amis, mais qui sont là vraiment et qui vous rongent à petit feu, qui viennent avec leurs drames, qui viennent avec leurs problèmes et vous envahissent et vous vous sentez obligé ou vous vous sentez étouffé par eux et obligé de les aider. Ils veulent vraiment que vous régliez leurs problèmes. Donc ça ne marche pas comme ça. Chaque personne règle ses propres problèmes et chaque personne a son histoire. Vous n'êtes pas une sauveuse, vous n'êtes pas un sauveur. Chaque personne peut le faire lui-même. D'accord? Nous commençons par le mois de janvier où nous avons le Mont, le Serpent et la Croix, un mois assez difficile. Encore là, une personne difficile avec le Serpent, une personne qui met des obstacles, une personne qui s'impose et comme je vous dis, c'est une personne qui emmène son fardeau, ses problèmes dans votre vie. D'accord? Donc là encore, je reviens, c'est répétitif. Il ne faut pas régler le problème des autres. Ils sont assez grands pour régler leurs problèmes. Et vous allez voir aussi, si vous réglez leurs problèmes, aussitôt que leurs problèmes sont réglés, ces personnes-là vont disparaître de votre champ de vision. Donc, ils vont là juste pour vous utiliser, juste pour, comment dire, prendre ce qu'il y a à prendre. Ce n'est pas des personnes qui donnent, c'est des personnes qui prennent. Février, il y aura un peu d'amélioration. Cette personne ou vous-même allez retrouver un semblant d'équilibre avec les étoiles et la cigogne qui annonce un changement positif. Mais les souris reviennent manger cet équilibre qui est déjà installé. Donc, si vous ne vous débarrassez pas de cette personne ou de cette situation, il n'y aura pas de, comment dire, il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas d'amélioration. Si ce que je vous dis concerne un partenaire amoureux, il est temps de laisser partir cette personne. Parce qu'il y a d'autres choses positives qui vous attendent. Et si, si cette personne reste dans votre vie, il n'y aura vraiment rien qui va être positif pour vous. Alors, pour le mois de mars, la chance revient. Le bouquet vous offre un peu de bonheur. Et avec la lune, les choses redeviennent sereines. On peut espérer un peu de luminosité dans vos ténèbres. Donc, mars, c'est un mois où vous allez retrouver un peu le sourire, où vous allez retrouver un peu l'équilibre, où vous allez vraiment décider de finir avec les drames, avec les personnes qui vous envahissent, où ces personnes-là, eux-mêmes, ils vont s'éloigner et vous laisser en paix. Donc mars sera un mois de chance pour vous, de petites chances, un mois d'opportunités. Donc si vous avez des projets à mettre en place, mars me semble un moment positif pour vous. Pour votre épanouissement et aussi pour la prospérité de vos affaires. Pour le mois d'avril, si vous êtes une femme, on annonce un partenaire qui arrive, on annonce une proposition affective parce que ce sont les cartes qui représentent les tierces personnes, le chien et le cavalier représentent un autre homme ou un autre partenaire. Attention aux personnes de sexe masculin qui sont déjà mariées, qui sont déjà dans une relation, votre partenaire risque de vous tromper avec une autre personne. Ça montre le partenaire, mais ça montre aussi un homme, un séducteur qui vient, qui s'en va. Donc là, c'est vraiment une aventure. Donc, si vous êtes célibataire, c'est pas mal. Vous allez expérimenter des aventures, vous allez expérimenter des rencontres, mais si vous êtes déjà engagé, ça va être difficile pour votre partenaire. Et difficile pour vous aussi en même temps. C'est toujours compliqué les liaisons et les affaires de cœur. Donc faites très attention au mois d'avril. Vous allez aussi vouloir tester la fidélité de certaines personnes. Vous allez aussi vouloir vous lier avec de nouvelles personnes et aussi des nouveaux amis qui arrivent. Donc il y a pas mal de rencontres, il y a pas mal de gens qui rentrent dans votre vie au mois d'avril. Au mois de mai, alors, vous commencez le mois, c'est un mois qui est consacré au travail, d'accord? Alors, on me dit que pour votre carrière ou votre travail, il y a eu pas mal de nuages, de difficultés dans le passé, et que là, avec de la patience et avec beaucoup de dur labeur, il y a une certaine sérénité, il y a un certain équilibre qui arrive. Donc, le mois de mai,
sera un mois consacré au travail, aux décisions. Là, je vois deux rois dans mon jeu. Deux rois, ça, pour moi, c'est collaboration, c'est partenariat. Donc, si vous avez un partenariat à faire dans votre travail, ce sera vraiment pour ce mois de mai. D'accord? Ce mois de mai. Et si vous avez des résultats à attendre au niveau professionnel, ça va arriver en hiver. Le lys, c'est la carte de l'hiver, c'est la carte qui représente le temps, c'est l'hiver. Donc, si vous investissez au mois de mai, vous allez récolter en hiver, au mois de novembre, décembre, voilà, quand c'est la saison d'hiver. Alors, nous passons maintenant au mois de juin. Nous avons fait la moitié de l'année. Alors, le mois de juin, on commence avec l'encre. L'encre est toujours un signe qu'on a atteint certains objectifs. Donc, en juin, vous allez pouvoir jouir de ce plaisir d'avoir atteint vos objectifs. C'est un mois aussi qui est bien pour économiser avec le cercueil. Là, il est attendri, il est neutralisé par deux cartes très positives, l'encre et les poissons. Et c'est aussi les cartes d'eau. Donc, ce sera un mois assez émotionnel. Ce sera aussi un mois de souvenirs, on me dit, avec le cercueil. Est-ce qu'il y a un anniversaire de décès? Est-ce qu'il y a quelque chose? Donc, là, ce sera le mois de juin. Et je vous vois faire des économies. Je vous vois économiser. Je vous vois mettre de l'argent de côté. Et je vous vois aussi préparer dans la pénombre, on va dire, des objectifs, des nouveaux projets que vous allez vouloir lancer durant la moitié de l'année de 2018. D'accord? Le mois de juillet, c'est un mois de décision. Alors, ça rejoint un peu le début de l'année, hein. Les décisions qui concernent la famille, qui concernent les enfants, là, c'est vraiment les personnes qui vous sont proches, d'accord? Il faudra faire une décision, il faudra prendre une décision par rapport à l'attitude de certaines personnes et aussi par rapport aux acquisitions que vous voulez faire. La maison, c'est aussi les transactions, les acquisitions. Avec l'enfant, c'est aussi faire un foyer, consolider un foyer ou emménager avec quelqu'un ou adopter un enfant, mais c'est vraiment des projets dans le long terme. Là, on a vu qu'au mois de juin, on concrétise des projets et au mois de juillet, on veut se lancer dans les décisions, dans les choses qui concernent la maison, la famille, les enfants. S'il y a des personnes qui vont en études aussi, ce mois de juillet va être décisif pour vous. D'accord? Et si vous avez des décisions à prendre au mois de juillet, il faudra écouter ceux qui sont les plus aînés, hein, les parents, les personnes qui vous considèrent comme leur enfant, qui vous considèrent comme des membres de la famille. Donc, bien voir avec ces gens-là parce que eux pourront vous aiguiller, pourront vous conseiller sur votre évolution, sur vos décisions. Le mois d'août, mois positif pour la communication, pour les pourparlers, pour les démarches. C'est un mois qui est très ensoleillé pour vous. Si vous avez des choses qui concernent le juridique, qui concernent l'application pour un concours, pour un poste de travail, ce mois d'août est vraiment positif pour vous, amis Bélier. Communiquer, parler, discuter, mettre les choses à plat, le redémarrage des communications, c'est un mois qui est positif. Donc, si vous avez des choses à faire, des présentations, ou parler, faire un discours, ou ça engage comment dire, votre voix, ou chanter, ou le spectacle, ou les choses comme ça, le mois d'août, c'est un mois qui est vraiment positif pour vous. Le mois de septembre, c'est un mois où vous allez faire concrétiser, signer des contrats, où vous allez vous unir dans vos projets. Encore, on a une continuité sur les projets. Avec l'ours, c'est quelque chose qui est important et qui va peut-être engager plus d'une personne parce qu'il y a le jardin. Ça peut être aussi travailler dans le public ou sinon ouvrir une nouvelle entreprise qui pourrait être une entreprise festive, qui pourrait être quelque chose qui concerne comment dire, réunir les gens ou des activités en plein air. Donc, ce mois de septembre, c'est un mois aussi qui est positif pour l'argent. C'est aussi positif pour se lier avec de nouvelles personnes. Et ça peut annoncer aussi votre arrivée dans un monde nouveau,
Parmi des gens qui sont, on va dire, bien placés ou par des gens qui pourront actuellement vous aider, faire de la publicité pour vous et vous, comment dire, vous partager avec le monde, si on peut utiliser ce terme. D'accord? Donc ça, c'est pour le mois de septembre. Le mois d'octobre, on arrive à ici. Le mois d'octobre, c'est le mois où on va s'éduquer. D'accord, on a le monsieur, on a le... C'est comme ça, hein, la façon que j'ouvre les cartes. Voilà. C'est le monsieur, c'est le consultant. Le consultant découvre certaines choses, le consultant s'éduque, le consultant consolide certaines choses. Donc, les choses qu'il veut lancer là en milieu d'année vont être consolidées, vont être dirigées, vont être aiguillées vraiment vers... ce mois d'octobre, d'accord? Donc tout ce qui est études, tout ce qui est paperasse, tout ce qui est démarches administratives, prêts à la banque, les impôts, toutes ces choses-là, c'est vraiment au mois d'octobre qu'il faut le faire. C'est un mois qui est positif et qui est apte à ces démarches-là. Le mois de novembre, alors le mois de novembre commence avec pas mal de remue-ménage, pas mal de changements, pas mal de discussions, pas mal de débats, et c'est positif avec la clé. On tient le bon morceau. D'accord? Donc, il y a aussi, c'est un mois aussi où certaines personnes penseront à se séparer, à partir au loin, à partir à l'étranger ou à déménager. Donc, moi, plus ou moins, on va dire, négatif, positif en même temps, c'est un mois où vraiment on se pose beaucoup de questions, mais on sait ce que l'on veut, on sait quel objectif on a en tête, on voyage vers cet objectif avec le vaisseau, mais on ne sait vraiment pas trop comment s'y prendre avec le fouet. Le fouet, on ne sait faire qu'un seul mouvement, on ne sait pas dompter sa force, on ne sait pas comment dire, comment utiliser cet instrument. Ça peut être une torture. Donc, alors, on va vraiment réfléchir, on va vraiment essayer de dénouer tout ça et trouver un chemin pour pouvoir sortir de ces ennuis. Alors, nous arrivons vers la fin de l'année, le mois de décembre. La séparation se confirme ici, avec la faux, le cœur et l'arbre. On dit que c'est une séparation qui est nécessaire pour le bien-être de... pour votre bien-être. Avec les deux valets ici, on vous dit quand même de réfléchir parce que les valets sont des cartes d'immaturité ou d'être trop spontané ou être trop vif. Donc là, on vous demande vraiment de faire attention et de penser à deux fois avant de vous jeter dans cette décision qui sera décisive. Vous terminez l'année vraiment avec l'envie d'être bien, d'avoir le bien-être. Il y a aussi des personnes qui pourront faire une opération chirurgicale qui concerne le cœur. L'arbre, c'est la santé, le cœur littéral, et la faux outil tranchante qui représente une opération au niveau du cœur, au niveau des artères, au niveau de ces choses-là. Donc, si vous avez une opération à faire, mettez-le pour le mois de décembre. C'est un mois qui est positif pour les opérations. Donc j'espère que ce tirage de 2018 vous a donné un avant-goût de ce qui vous attend. Et surtout, il faut utiliser, hein, il faut utiliser ce tirage dans votre vie de tous les jours. Donc on sait quel mois qui est plus ou moins positif pour vous. Les cartes ont pointé les moments clés où vous pourrez lancer des démarches, où vous pourrez faire des changements, où vous pourrez... vous liez à des personnes, où vous serez accueilli positivement, où les pourparlers et les discussions seront positifs. Donc là, il faut vraiment utiliser les informations que je vous donne pour vraiment créer quelque chose et que cette guidance et ces prédictions, on va dire, puissent aider chacun d'entre vous, amis Bélier, à avoir une sérénité et un équilibre dans la vie.
Donc j'espère que ça vous a plu. J'attends vos commentaires. Si vous voulez retrouver ce tirage et si vous voulez que je le fasse personnellement pour vous, rien que pour vous, j'ai mis dans ma boutique Etsy un tirage exprès qui concerne 2018 et ce sera une joie vraiment pour moi de faire ce tirage personnalisé pour vous et surtout sur vos questions. On peut aussi répondre à des questions et je vous laisserai découvrir et lire un peu ce que je propose. Je vous souhaite à tous une belle et heureuse année 2018 et j'espère vous retrouver durant toute l'année prochaine pour encore partager mes connaissances du Petit Normand avec vous et partager ma passion. Au revoir.